j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Les gars, on se retrouve pour découvrir le look de l'HDV17 et ensemble découvrir nos théories. Donc on peut voir, déjà on a le plan, on a un espèce d'aigle qui est sur le plan. Donc est-ce que ça va être un aigle artilleur? Et on peut aussi apercevoir en haut, on parle de harpon. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de jumelage avec des tours d'archer? Car en haut on voit qu'il y a des tours d'archer. Est-ce qu'en fait ça serait pas une super méga tour d'archer qui serait en fait sur l'HDV avec un aigle en plus? Ça reste à savoir. Parce que est-ce que deux aigles serviraient vraiment en HDV? C'est la question. Ou est-ce que ça serait un petit aigle qui serait un peu comme une monolithe et tchoum tchoum tchoum? Donc à voir. Mais vous voyez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vraiment, bah voilà, vous pensez que ça va être autre chose, que ça va être... Alors moi j'avais pensé aussi que ça aurait pu être la reine. En fait, quand on nous attaque, la reine vient sur l'HDV et prend un genre de gros harpon et... Vous voyez un peu? Ah, genre, elle gère un super gros arc X, ça je sais pas. Je peux pas vous dire. Ou genre un aigle qu'elle gère et tout. Tellement de théories, c'est pas toujours simple. Donc reste à voir, mais moi je pense que la tour d'archer quand même, ça peut être pas mal. On va regarder ça ensemble tout de suite. Voilà, donc là les gars, vous avez le nouveau design de l'HDV17. Voilà, donc ça change complètement. Aïe, pour moi c'est fini. On aura pu Giga Tour de l'Enfer. Ça, pour moi, c'est fini. Franchement, il a un design extrêmement stylé. Ça va avec ce qu'ils ont sorti dernièrement là, le truc des justiciers. On peut apercevoir une petite tête d'aigle. Il fait un peu penser au beau dans Brawl Stars. Et au-dessus, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à une tour de sorcier. Ou aussi, je vous fais voir en image. Voilà, je trouve que ça ressemble vraiment à la super tour d'archer. Est-ce que ce serait pas des archers qui vont mettre dessus? Est-ce que ça va être un aigle? Telle est la question. Mais franchement, le socle là-haut fait penser qu'il va y avoir quelqu'un. Alors, est-ce que, par exemple, ils ont parlé d'un nouveau héros? Est-ce que le nouveau héros pourra aller sur le socle pendant la défense? Si, par exemple, le héros le plus proche pourra monter sur l'HDV, et du coup, en fonction des héros que vous mettrez, il y aura différentes possibilités de défendre. Là, ça pourrait être complètement dingue. Bon, les gars, je pense qu'il nous réserve une grosse surprise. Dites-moi en commentaire si vous avez plein d'idées, parce que je pense que ça doit... Vous devez avoir plein d'idées aussi comme moi et vous poser plein de questions. Mais franchement, les gars, on trouve que ça ressemble quand même beaucoup à une tour de sorcier et aussi une super tour d'archer améliorée et fusionnée. Donc, je pense aussi qu'on aura d'autres tours d'archer à fusionner, parce qu'on le voit bien dans cette image que là, il reparle des Tower Upgrade. Donc, pourquoi il reparle de ça à côté du plan de l'HDV? Ça, c'est la question. Donc, pour moi, je dis bien pour moi, je pense qu'il va y avoir avec un truc avec un espèce de flèche ou je sais pas. Et on a aussi, on voit avec marqué moitié harpon. Je trouve que vu dessus comme ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Imaginez, il pourrait y avoir un gros arc-X qui sort et chou. Ça pourrait être exceptionnel. Et en fait, il nous aurait un peu, ou elle peut aussi avoir deux fonctionnalités. Voilà, il peut y avoir un HDV 17 qui va nous sortir, par exemple, soit vous choisissez l'aigle artilleur, soit vous choisissez l'arc X. Vous voyez, il peut y avoir un double choix. Je sais pas. Franchement, je me pose plein de questions. Je suis méga hype. Et j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à liker, les gars, et à commenter cette vidéo et à me donner toutes vos sensations, vos idées. Parce que franchement, j'ai hâte de lire tout ça en commentaire. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!